Bon début de journée, ici Eve Audrey-Mérand de TVA pour les rendez-vous .TV. Hier, c'était le lancement officiel de la Coupe Rogers en plein cœur du centre-ville de Montréal à la Place du Canada, avec pour l'occasion sur place Michael Chang, Jim Courier, Martina Navratilova et Martina Hingis qui participaient à toutes sortes de démonstrations. Et pour nous parler de la Coupe Rogers en tant que telle ce matin, j'ai avec moi le directeur, M. Eugène Lapierre. Bonjour. Bonjour. Les Jeux olympiques ont fait en sorte que cette année, la Coupe Rogers a été repoussée d'une journée. Et en bout de ligne, bien, on va recevoir 9 des meilleures joueuses sur le top 10. Oui, on est très satisfaits parce qu'on a fait nos devoirs. On a demandé à la WTA de décaler le tournoi d'une journée. Ça a été accepté. Et avec les résultats qu'on connaît, les Azarenka, Sharapova, Bartoli, Stosur, Nila, nommez-les, elles sont toutes là. On est très satisfaits. Qu'est-ce que ça représente, la Coupe Rogers, pour les joueuses? Bien, c'est un des plus gros tournois sur le circuit professionnel, la série des tournois Premier. Alors, beaucoup de bourses, des bonnes bourses et beaucoup de points au classement. Surtout le premier tournoi sur surface dure à quelques semaines du US Open. Elles ne voudront pas manquer ça. La Coupe Rogers, c'est quand même le 3e plus vieux tournoi au monde et on a la meilleure assistance de tous les tournois confondus. De loin. Pour un tournoi unique, un sexe seulement, donc les filles ou les hommes, on a le record mondial. Alors, on en est très fiers. Et les joueuses aiment ça. Les estrades sont bondées. Ça, elles adorent jouer dans des estrades pleines. Alors, on est très contents. Alors, bonne Coupe Rogers, M. Lapierre. Merci de nous avoir accueillis ce matin. C'est une présentation des rendez-vous Loto-Québec jusqu'au 13 août. Manquez pas ça et laissez-vous entraîner au gré du hasard. À très bientôt pour un autre rendez-vous .TV sur TVA. Les rendez-vous Loto-Québec vous invitent à découvrir plus de 120 festivals partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez rendez-vous-lotoquebec.com.